arrive à ça. Il en arrive à se caler sur son propre programme, sur sa propre musique. Et regardez, regardez, un et deux. Allez, je dis pour vous aussi, vous faites le coup de cœur. Pour vous saluer, vous remercier d'avoir été là. Donc ta musique, ce sera à l'improvisation. Tu nous fais du beau, du grand, comme tu sais le faire. On te met n'importe quoi dans les oreilles et tu nous balances tout ce que tu peux faire là-dessus. La machine, cette légende, elle aussi. Le fameux Pix S1. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard dans la journée, car il n'y a pas qu'un seul Pix. Entre parenthèses, j'attends peut-être un ticket comme demandé hier. Qui sait, peut-être un petit dieu plus tard. Attention, le Pix S1, 3 mètres d'envergure, 210 cm3, top de collage. En vacances cet été, eh bien, bon merci pour tout le monde, vous en particulier. Ça ne vous a pas passé de la voiture, un looping, un tonneau, ou que sais-je. Dieu merci, parce que ce n'est pas dans l'enveloppe de vol d'un avion de ligne. Il ne faut pas. D'anthologie comme on en a je pense jamais vu ici même à Rue. Ça passe très bas, oui la tête, voilà. Des choses totalement pourries par la météo. D'autres bien embêtants avec des petites chiffrettes que j'ai pris à gauche, à droite, qui cassent l'ambiance, le moral, qui flashent. Et voilà, en glissade, atterrissage sous vos applaudissements, l'avant-dernier vol du Métis, il a volé jusqu'à plus soft, la médiocre, futur pilote de l'identité. We'll be right back.
plaisir de le rendre pour vous, amis du public extraordinaire. Extraordinaire. Pile sur la fin de la musique qu'ils ont improvisée, atterrissage en duo, s'il vous plaît, presque oui, non, oui, oui, oui. Olivier Laurent, Olivier, pour la première fois, ils nous viennent d'Alsace, ils nous ont fait une spéciale dédicace musicale belge. Merci à eux, quel talent que ça. Dans tous les sens, à gauche, à droite, dessus, en bas, en long, en très grand ou en tout petit sur quelques mètres cubes, David, dans ses œuvres, avec certainement le fond musical qui va bien, de la part de JF, tout décollage en regard. C'est trop difficile. Et malgré tout, vous voyez que ça y va quand même joyeusement. Mais du coup, en quelques mots, bien, mon Dieu, c'est pas tellement compliqué à comprendre. Vous avez deux rotors, le principal au-dessus, enfin là pour l'instant au-dessus, à moins de 50 cm du sol, une tour, regardez ça. Et puis le petit rotor en dessous à l'arrière. Alors le principal au-dessus, enfin là en tout pour l'instant, voilà. Et bien évidemment, il a fait la sustentation de la machine. Hein. Et puis également, ce qu'on appelle le cyclique longitudinal, pour aller d'avant en arrière. Également le cyclique latéral pour glisser de gauche à droite au sein de ce dos. Et lui aussi est commandé, on peut commander par radio l'incidence létale. Et donc ça permet de commander l'axe de lacet de façon à orienter le nez à gauche et à droite. Autrement dit, eh bien, un hélicoptère radiocommandé, même s'il est complètement différent d'un appareil aérostatique, eh bien il vole quelque part d'un point de vue purement théorique. De la même façon qu'un avion, il vole sur les trois axes classiques que l'on retrouve également dans le monde de la Paris. Le roulis, donc basculant son dos à gauche à droite, le tangage, donc autrement dit, on peut descendre, et le lacet, le fait d'orienter le museau vers la gauche et vers la droite. Je ne suis pas fait, vous savez tout d'un hélicoptère, mais vous avez la base de compréhension de la machine, ici, comme je vous le disais, réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire que pour obtenir les performances que vous voyez là, on a évidemment un moteur costaud avec un contrôleur de vitesse qui va bien. Nous avons des batteries là aussi avec un paquet d'électrons à bord. Et puis nous avons donc une machine ultra légère à base d'un grand renfort de fibre de carbone pour le point de drayer du moteur. On est en roue libre, en rotor libre, et on vient déposer tous vos applaudissements. L'hélicoptère 3D, David, s'il vous plaît, voilà. David, donc on t'attend cet après-midi avec quelque chose d'encore plus musclé. On m'a dit après la télévision. Je sais pas, voilà. Merci à lui, merci pour lui, et voilà. Ah, magnifique. Ils m'ont entendu. On avait posé la question hier, ils répondent aujourd'hui. Et les gars, Armand et puis John, puisque vous allez le faire, eh bien vous allez le faire maintenant, merci. Mais également, bien sûr, cet après-midi, et oui, voici quelque chose qui est fait. Une seule décollage, je vais le faire. Alors, que ce soit le Félix ici, ou dans un instant, le Diamond qui est en cours de démarrage, ne cherchez pas, aucun de ces avions n'existe en grandeur. Ce ne sont pas des maquettes, ce sont des courbes d'aérobie, et la musique, ça fait plaisir avec un très morceau de musique, et c'est le collage de Renard. Je m'assume, c'est une espèce de sereine violente qui a pour nom Diamond. Diamant en bon français, mais son vrai nom est anglophone, malgré que la machine, tout comme l'autre d'ailleurs, soit d'origine bien franco-française. Et oui, dans le Phoenix qui passe au ralenti devant vous, que le Diamant qui vient de coller, sont des engins de chez Aviation Design, AD comme on dit entre nous, et AD, c'est la plus grande firme française de production de jets radiocommandés qui se distribue dans tous les pays du monde. Et je fais une top décollage. Regardez. Par-dessus, par-dessus. Regardez. On est là avec quand même 4 mètres d'envergure. Une machine est surtout relativement compacte pour un planeur, donc robuste, ramassée
quelle idée, combien oh, la boucle est magnifique. Ronde de féronde, jolie, 4,720 kg de marche, vous voyez là, et seulement de l'association d'aéromobilisme de la Passambre pour leur légendaire Jetto, mais c'est une autre histoire. Et voilà, on vous salue de quelques télépresses qui nous aident. C'est Romain qui a repris les manches et qui vous salue de quelques battements d'ailes. Ah oui, je dis donc comme ça dans le binôme père-fils, hein. Au début, on est tout fiers que le fiston ait commencé à piloter quand il a 6-7 ans, puis un jour, il vient vous chouraver la machine, et il vous pique les batteurs, et puis c'est terminé. Ce n'est plus le clameur que le sien. C'est donc comme ça que ça se passe. Encore quelques battements d'ailes. Voilà. Alors évidemment, par rapport à un jet classique, hein, entendu par là, un avion de combat ou un sport de jet, comme on dit, eh bien le pilotage est forcément radicalement différent, parce que si les machines de type classique en jet ont des grands finesses, hein, vous l'avez vu, capable d'allonger beaucoup à être des serges, imaginez avec un paddle c'est encore plus, de devenir encore plus loin, d'encore plus bas, sorti des aérofreins, parce que sinon, même le réacteur arrêté, eh bien, le planeur n'en finirait pas de planer, puisque c'est un peu son but. Écoutez le sifflement de ce volet sorti ici, en plus du souffle du réacteur. Et on vient, en douceur, déposer cette énorme pulse power de 4,70 sur les applaudissements. Bonheur, le bateau est dans l'air, Romain au commande de l'éducateur, le père et le fils, merci à tous les deux. Ils sont là pour la première fois ici à V, c'est un bonheur à saisir, on les connaît depuis longtemps, sur les plus grands plateaux européens. Attention, changement complet de registre avec les régionaux de l'étape. La bande dessinée avec les Pierre Pézacos, rappelez-vous, le Diamond, c'est comme le salon. Restons dans la bande dessinée, bien chez nous, avec Peyo et bien sûr le souffle de. De Jeff qui décolle maintenant, et si un trou, eh bien, il y a Gargamel. Et Gargamel, le voilà, regardez! Impossible, devant le plus petit avion possible avec un peu de dedans, et donc les avions étaient vraiment en vue, mais dangereux. Et pendant ce temps-là, c'est reparti avec l'ami des enfants. Le schtroumpf de JF, et puis son ami gelé, Gargamel, qui est déjà en l'air sur le décollage, c'est parti. C'est où, parce que, gentiment, pour notre schtroumpf national, eh bien, JF l'a greffé sur une soucoupe avec un train de dessinage, mais par contre, Gargamel, eh bien, il est lancé à la main et il va bien se poser. Et vous le savez, il ne se pose pas sur ses pieds. Donc il va devoir se poser à plat ventre. Mais regarde. Kylian, avec Carl et Lydia, s'il vous plaît, en famille, le Vendéluge. Alors, peut-être un peu plus avant, au cours de la journée, un petit duo faire tout en décollage. Regardez.
fameuse saga de Steve, déjà évoquée. Rappelez-vous, en 1944, naissant du tout premier coup, le modèle S1 qu'on a vu en duo, le duo fantastique avec Armand et John quelques temps auparavant. On tout de là dériver la version que j'ai vu bien, c'est tout, les super stickers, les 8 ou les 10 à 300, etc. Jusqu'à celui-ci. Alors là, c'est particulier parce que c'est le seul de la famille de Pix à ne pas avoir un moteur, carton, un moteur à quelques plages à plat. Voyez-vous donc, ici, on est avec un moteur tout rond. Un chapeau tout rond, et c'est très particulier. Mais c'est quelque chose qui nous a quitté à l'âge de 22 ans, et bien quand il est parti, il travaille encore lui-même au développement de cette machine, qui est donc l'ultime variation de la lignée. Celui-ci, rappelez-vous, hein, fin des années 80, le mur de Berlin s'effondre, et donc ouverture à l'est et l'ouest et à l'est, on a besoin de beaucoup de devises fraîches, sonores et trébuchantes, et donc on vend beaucoup de choses, des avions, des moteurs, des moteurs. Mais on va écrire l'histoire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et marqué à la aucun doute, nous sommes, comme dit Allemand, en pleine Seconde Guerre mondiale, de cet engin est hors d'ordre, sauf les collages. Regardez. Mais pas un bimoteur standard, non. Un bimoteur tout-sourd, comment dit, tout-sourd tiré en clair, un moteur qui tourne devant et un moteur qui tourne derrière, c'était ça en 1942 quand est né cet avion. C'est un Dornier. Un Dornier 335 pailles, ce qui veut dire la flèche. Et croyez-moi, son nom n'était pas une flèche. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cet engin à l'époque avait été conçu comme un chasseur lourd. Conçu en 42, mais. Premier vol en 43 et un certificat que pouvait le rattraper. Il suffisait pilotalement d'être plus à sa patte et vous tentez ce pertinent. Il aurait pu donc être redoutable contre les vagues de bombardiers américains de 17 vagues en fait et de 24 000 heures. Mais les Américains, quand ils rentrèrent en Allemagne en route, ils étaient déjà équipés à l'époque d'un siège éjectable, et rudimentaire certes, et un siège éjectable qui fonctionnait de faire avec l'éjection de l'unité arrière, car vous imaginez à tous les pilotes qui s'appellent ça. Donc en cas d'urgence, le pilote éjecte l'hélice sous le siège, et ce siège éjectable avait été rendu nécessaire, vu la grande vitesse que c'est capable d'attaquer sa chute. Imaginez ça, en 45, on accrochait les 780 km/h avec cet avion. Si le pilote ne mettait pas traverser la bombe, comme on dit trop peu, trop tard, mais qui revient une très sérieuse menace pour l'aviation alliée à cette époque-là. Voilà ce qu'est la flèche Kyle Dornier 335 de Pascal, pilotée ici par Robert, Prince-Orti, atterrissage annoncé, pour ce bimoteur de taille tout à fait raisonnable à propulsion, j'en vais dire comme d'habitude, électrique. Le Dornier 335 Kyle, le voilà qui se pose, regardez. Et applaudissements pour Robert et Pascal, Pascal Robert, et vous salut, voilà, nous pensons, regardez. Vous vous rappelez? Évidemment, Thomas Magnum, la série Magnum à la télévision avec Tom Selleck dans le rôle du Bellard, la grosse moustache, celui de la moyenne et grosse Ferrari. Et là, pour les plans de cette machine, c'est le Hughes 512, un petit hélicoptère qui a
Vous avez les énormes qualités dès le départ, ce qui fait qu'on l'a retrouvé employé un peu partout de par le monde et bien évidemment aux États-Unis, c'est bien sûr au-delà de la série de les albums qui a permis de le populariser, Christian, qui est condamné à reprendre cette émission pour l'année prochaine. Voilà. Et donc, vous, Vincent, il y a un force de police, bien évidemment, également les équipes de télévision qui vont surveiller les autoroutes aux États-Unis pour les poursuites en voiture. On voit ça parfois aux infos là-bas chez eux. Et puis également dans des rôles parfois militaires. Oui, il a d'abord commencé par servir comme hélicoptère léger, même d'attaque au sol au Vietnam dans la fin des années 60 avec des mitrailleuses légères montées en pote sur les côtés. Il va servir également du côté du petit hélicoptère par la taille, oui, mais grand par le potentiel et le talent. Et depuis le milieu des années 60, il vole et continue de voler un peu partout de par le monde, que ce soit dans les versions presque d'origine pour les civils peut-être, et puis les versions les plus avancées de les conçus. Mais nous, ce qui nous reste dans les yeux, dans la tête, évidemment, c'est la série avec Tom Selleck et son sourire solitaire et sa grosse moustache et son fameux Edith et les chiens Apollon et Zeus. Bien sûr, Thomas McDonald, la série des années 80, je crois. Allez, on va faire le vite petit différent ça. Regardez et savourez. Bien que les avions de l'hélicoptère, parce que rien que le 500, pour moi, un petit coup de cœur, comme celui qui se trouve ici, de bien les films. Christian, s'il vous plaît, son caillouze. Merci Christian, applaudissement pour lui, merci à lui, merci pour lui. Christian, donc, voilà. La bête est vite, hein, d'accord, l'année prochaine, c'est le printemps. Oui, hein. Version backup, nous allons changer pour toujours de registre. On se refait un petit peu d'emportage, je garde la première fois, c'était Décrotron 1920. On va changer certainement de planeur cette fois-ci. En termes de remorquage, eh bien, on a un énorme bidule sans onde. Le bidule, donc, ce n'est pas une machine existant en grandeur, hein, c'est un pur modèle réduit, contre les habits qui font la chaque année. Et puis derrière, nous avons, je pense que c'est une bidule, avec le fameux Vestus de Cisagnotti. Et puis derrière eux, encore d'autres machines, un peu surprenantes, les bidules que les autres. On va laisser un peu, parce que c'est très important. Et regardez à droite sur le terrain, voici Geoffrey avec un engin très particulier. Et hop là! Et voilà, bienvenue dans le monde du milliardaire. Alors, clairement, il y a encore DLG, D6, Launch, Lager, Planeur, alors c'est façon du siècle. Les petits planeurs anciens, au départ, c'était des machines qui se lançaient à la main comme un javelot, vous voyez. Alors, c'est devant soi, ça montait à 10, 15, 20 têtes, et puis on se déboîtait l'épaule, on se faisait un claquage, c'était un peu petit, mais bon. Et puis on a trouvé cette méthode de lancement par rotation complète du sort. On fait un 360 degrés et c'est juste la force centrifuge qui est juste que la machine au bout d'un seul lancer. C'est colossal. Tandis que le bidule à l'arrière, c'est plus exactement le même, c'est l'arrière du bidule qui vient se reposer pour reprendre le suivant. Et donc avec ce petit planeur lancéen qui sont bourrés de carbone pour résister aux efforts monumentaux de l'accélération de la rotation. Et bien on a des machines ultra légères, on est à du côté du mètre 40, de printemps dans le mur, petit par la taille, mais grande par les performances. Il va rester stocké là pendant quelques instants, je pense, en tout cas le temps que l'on s'atténue à d'autres planeurs. Après les vestiges de C2X, et bien, revoici les pièces. Rappelez-vous le pilote du Golf 222, le pilote qui est au Tupra, et bien le voici avec un planeur au combien légendaire, la SW15D, que l'on va venir accrocher, tandis que le petit c'est bougé, c'est le nom du petit planeur lancéen de Geoffrey, continue de spiraler là-bas. Il a visiblement trouvé un petit quelque chose de chaud dans l'atmosphère et avec cette météo très normale. Et donc il pourrait se spiraler de même tout ce plaisir. Alors évidemment, Geoffrey, tous les coups, si on t'embête un peu, mais nous, ce qu'on aimerait voir tout particulièrement,
le lancer de ce genre de matrice avec le layer, là, c'est ça. Alors on a deux catégories complètement différentes. Point commun, il y en a quelques-uns quand même, hein, des modèles tous à propulsion électrique, des modèles très compacts, donc de purs loisirs pour jouer tous les week-ends tout simplement. Alors avec la micro ici qui devient de Lazaro, pas très loin, eh bien le petit SE5A de la firme Royal Factory, ça nous replonge à l'échelle quelques réduites, mais ô combien voltigeuse, ça nous replonge à nouveau durant le premier conflit mondial. Nous sommes côté anglais, outre Channel, parce que vous savez, à cette époque, il n'y avait pas que le fameux Surface Channel, de son vrai nom Surface F1, il y avait également celui-ci, le SE5A. Avec cette ligne un peu particulière, due avec le carrefour avant un peu carré, tout simplement parce que vous savez que tout à fait quelques dizaines d'euros qui sont presque incassables du fait de leur matériaux et qui permettent de se faire du dogfight, autrement dit en français du combat de chien, en clair du combat tout moyen. Ben oui, avec ce genre d'engin capable de tirer piquerie et presque indestructible, on n'hésite pas à se chercher des coups dans la tête, à essayer de courir les copains, à le rentrer dedans, à le claquer au sol, bref, on joue, et c'est pourtant pas le plus facile. Regardez, ils sont pas là pour rire, ils essaient de se détendre tout simplement. L'Iron Modelisme fait ça aussi, quand on peut jouer, eh bien on n'hésite pas à essayer de jouer. Il est posé, il est deuxième, les autres vont les rejoindre bientôt. Ben oui, c'est vrai que les batteries sont toutes petites là-dessus, hein. Donc l'autonomie est limitée, mais croyez-moi, c'est bien suffisant pour se faire plaisir et vous faire plaisir, et c'est très bien comme ça. Ensuite, on va encore préparer d'autres choses. Je vous rappelle, bien sûr, avec Philippe, que vous avez toujours Alex et Michael qui vous attendent sur le stand avec des confiseries, hein, la bababa, les bonbons, les popcorn. Ils vous proposent également, eh bien, des objets personnalisables pour garder un souvenir de ce week-end avec les bugs, avec les t-shirts, les casquettes, que sais-je. Juste à côté de lui, ou pas loin, vous avez Jean-Philippe Constant, de moteurs de fabrication personnelle qui met en marche de temps en temps pour vous expliquer un petit peu. De l'autre côté des installations, tandis que Claude se pose avec le petit SP5A, voilà. Eh bien, vous avez Julien avec Drone Cam Technology pour le stand des drones professionnels pour de l'image professionnelle. Bref, c'est plein de choses à voir et à revoir. Et applaudissements.
bien sûr, car rappelez-vous, c'est des mini-films, ok, j'en peux mettre mon dos à baf, ok, triplant, voilà,
Final Third au virage final, l'ombre plus courte finale. On va passer la lisière des arbres. On va trouver comme ça. On franchit seul, on se laisse descendre. Le P47, retour d'émission. Sous vos applaudissements, le traité bravo extraordinaire. Et tant de Warner de celui-là, il n'était pas des notes hier. Quel bonheur de le retrouver aujourd'hui, c'est que du plaisir. Invitons les amis de cet engin. Moteur dedans, hélice dedans, machine dedans. Nous sommes cramponnés à cet engin. Et dans un instant, top décollage. Regarde. Sauf que ce Louis Dupeur ici, ce n'est pas ce paquet, non. Peut-être avez-vous compris, peut-être avez-vous vu l'immatriculation sur l'arrière, ce n'est pas une maquette d'un Louis Dupeur, c'est un vrai Louis Dupeur. Cet avion est un authentique ULM, c'est l'ULM d'origine, sans pilote, motoclusive, elles sont là. C'est extraordinaire. C'est un authentique ULS radiocommandé. Il fallait l'oser. Ils ont osé, il a osé. Regardez ça. Alors comment est-ce possible? Comment une histoire pareille est-elle née? Eh bien c'est assez paradoxal, c'est assez surprenant. Imaginez que Marc un jour décide d'acquérir une remorque d'occasion pour transporter son matériel, car vous l'avez compris, c'est un amoureux des grandes machines. Et il trouve une offre, une annonce qui propose une remorque, il va voir la propriétaire et qui lui montre la remorque, mais il dit voilà, le problème c'est que cette remorque, bon, voilà, il y a un ULM dessus, ça fait des années qu'il est là, je m'en sers pas, je m'en sers plus, j'en ai plus rien à faire, moi il m'encombre, écoutez, je vends la remorque, mais vous partez avec du tout, hein. Moi je vais pas m'encombrer, l'ULM j'en ai rien à faire, vous m'en débarrassez. Oui, bon, d'accord, et puis Marc de. Il part avec la remorque et il se retrouve avec un ULM gratos, mais qui était, on va dire au départ, mais qui ne sert plus à rien. Qui t'a pu voler depuis 18 ans, ça. Ah oui. Et puis, on est dans le marché. Et si je poussais les bouchons encore un peu plus loin. Après tout, cet ULM qui est probablement plus bon pour voler avec un passager d'abord, un pilote, mais je pourrais peut-être protéger le cœur avec un cycliste. Alors Marc est un peu fou sur les bords et franchement vieux, il n'a peur de rien. Et il tente la chose. Il tente la chose si vous étiez des nôtres lors d'une mission précédente, je crois. Cet avion, ce ULM, a réellement décollé pour la première fois. Bon, suite à un souci moteur, il a terminé un petit peu dans le champ, mais sans grand dégât. Et donc il avait dit j'ai un peu de couilles. Alors voilà, il a reçu pour la première fois un ULM grandeur. Radio-commandé, je vous laisse imaginer les équipements à bord. Alors bien sûr, la question à ce stade est de se poser, est-ce que c'est bien raisonnable? Et vous savez, pour connaître les limites de notre loisir, il faut parfois le toucher ses limites du droit. Et c'est le cas ici. Un grandeur, oui, mais une fois, une seule fois, c'est exceptionnel. Et l'atterrissage, il l'a fait! Incroyable! Quelque chose d'inimaginable, je vous avoue, j'étais plus que sceptique il y a un an, quand on nous a annoncé la chose, un authentique ULM presque vintage, avec son moteur d'origine, qui a été pratiquement tous en matériaux composés et essentiellement en fibre de carbone. Alors les facteurs de charge dont sont capables de se créer en machine, c'est assez colossal. Alors qu'est-ce que c'est qu'un facteur de charge? Eh bien c'est tout simplement ce qu'on vient, cet engin,
fait quand même 2,70 m d'envergure, 12 kg de masse et 110 cm3 de cylindré. Sous vos applaudissements, beau travail, joli, extraordinaire, merci à lui. Merci toujours en fibre avec ce moteur de construction personnelle extraordinaire. N'hésitez pas à lui demander d'en démarrer un devant vous, je pense qu'il est toujours là pour ce faire. Et puis donc, si vous aimez ça, bien vous êtes chez vous jusque pas d'heure. Allez, on entre nous, on peut se confier. Mais à côté de ça, eh bien, sachez que hier, le show était prévu pour ce figure. On est rendu traditionnellement du côté de 18h, 18h30. On a fait 20h moins 10 minutes. C'est vous donner une idée du niveau de passion qu'on avait atteint. Et vous avez, eh bien, c'est le break du jazz play. Et le fameux cri du speaker au micro, gentlemen, you have a race, messieurs, c'est la course, mais là, nous sommes déjà, par contre, en phase avec le stage. Et là, il a et donc, si on décide que ben voilà, avec cette vidéo extraordinaire, la piste un petit peu surchauffée, un matelas d'air chaud qui empêche l'avion de se poser là où on le souhaite, ok, pas de problème, risque zéro, safety first. On remet les gaz, overshoot, on fait un 360 et on vient représenter la bécane en toute sécurité. Ça descend, voilà, on est bien là Michel, on est très bien. On laisse tout descendre et c'est bon. Voilà, le William Williams de Michel. Oui, 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 il l'a fait. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ces avions sont délicats à poser exactement comme l'était leur grandeur. Ces avions à l'époque qui étaient très bas. On est là avec un passage de 0 à 100 km/h en 7 dixièmes de seconde. Ça bat n'importe quel bagnole au démarrage. C'est juste hallucinant. Et le pilote voit exactement ce qu'il verrait s'il était assis comme un schtroumpf à bord de la machine. Et vous pouvez le voir vous-même si vous regardez non pas le modèle, mais la retransmission en temps réel sur la tonnelle du câble drone technologie à droite du terrain. Regardez ça. Deuxième mondial est sélectionné dans l'équipe pour les championnats du monde prochain à venir en Chine, s'il vous plaît. Un grand parmi les grands, ça fait déjà 12 ans qu'il pratique la compétition. Regardez ça. Et on passe la porte. Et les deux, imaginez qu'en compétition, il y a de multiples formes dans tout le France en long, en large, en couleur et même de nuit parfois. Tout un sport de haut niveau qui est tout récent, ça n'a même pas 10 ans d'âge, ce genre de compétition, c'est extraordinaire. Et ça dure quoi ? 2 minutes, même pas 3, tout simplement parce que la dégénérescence est telle que les batteries se vident dans ce délai. Je les ai prévenus, rapides en termes de vitesse de vol et rapides en termes de temps d'évolution. Dans quelques secondes, il sera déjà de retour au sol. Déjà. Florian, s'il vous plaît, 18 ans, 22e mondial sélectionné pour les championnats du monde en Chine. Chapeau bas, quel taux d'adrénaline, j'ose pas imaginer ça pendant ces deux petites minutes à peine. Et complètement fou, on va vite dégager bien sûr les air gates, on va vite deux petites portes. Hein. Mais sachez qu'ici, hein, eh bien, c'est un des foyers, un des berceaux de la compétition, je crois que c'est F4U qu'on appelle ça, le nom de la compétition de drones. N'hésitez pas à demander à Florian et à Fabrice les informations par rapport à ça. Vous savez comment l'attendre. C'est le petit, la
crevette, 14 ans, et voilà une 1. Et puis Carl, le papa, a fait plus ce qui suit derrière. Voilà, le gars. Il est dans la foule, avec le pied à l'époque. Et c'est bon. Et voilà le magnifique qui vous salue. Regardez ça, extraordinaire. Il ne l'avait jamais fait, ils sont contents. Oh, combien magnifique. On va récupérer les machines. Et attention, petit message important à l'adresse de tous nos amis pilotes et de l'organisation qui sont du côté piste. On vous demande, à partir de maintenant, s'il vous plaît, de bien vous reculer contre les barrières ou idéalement derrière les barrières. Car vous l'avez compris, c'est maintenant l'un, je dis bien l'un, pas le grand, donc l'un des grands moments du show. Car vous le savez, après ça continue, décollage. Samuel, que je finis par appeler Samuel, et merci à Coco, ouais, et de 1, merci à Coco également, le coach grand spécialiste du P47 qui vous a coupé de frites durant tout le week-end. Merci Coco, toi et ton équipe pour la restauration, et pour une fois, on va en vol, et oui, et puis il reste encore, bien sûr, nos amis allemands, Mika et Roland et Mika. C'est absolument exact. Voici Mika. Et pour la pyrotechnie, rafale d'applaudissements, s'il vous plaît, les pilotes Mika, Roland, Samuel, et puis bien sûr, deux artificiers, j'en ai eu un peu long. On va maintenant mettre un grand coup.
près 600 millions ont précipité sur les cafés gourmands de la Méala. Voici le deuxième, oui donc peut-être. Oui, deuxième largage, la gauche. Besoin d'eux jusqu'à la fin du show. La dépression les a ramassés avec 653 traces de godasses sur la chemise, donc on se revient, ça ne se reproduise pas. Merci. Donc voici le si propre qui s'amène. Alors, tu le vends contre la star ou c'est la mode? Allez savoir. Est-ce qu'il a fait un relaxatisme ou bien la risque aussi? Oh oh oh! Oh là 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 là! Thank you.
Shuttle World Collection Collection, tandis qu'on applaudit le Fokker D7, voilà. La Shuttle World Collection en Angleterre a bon lieu, évidemment. Et voilà pour finir, ça s'est un peu bousculé sur le vol final pour ceux qui étaient à la soirée. Et bien sûr, pas question de radio-commande. On faisait ce qu'on appelait des auto-modèles. On peut aller sur le bras et parfois ailleurs. Et après, on vient ça va fonctionner avec les autres modèles parcourus. Le grand final de l'édition 2019 c'est 20 ans. We'll be right back.